Thank you.
parole qui va nous tirer ma route. Nous croyons que c'est lui qui nous a donné ce temps par sa grâce et par son amour. Et nous prenons d'abord notre texte. Nous parlons des récompenses dans l'église de Pergame. Le verset 17 d'Apocalypse 2. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Que celui qui a des oreilles. Oyazali nama deux. Entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Ayokao molimo sans tes oeufs à l'église. À celui qui vaincra. Na oya kolongaka. Je donnerai de la manne cachée. Na kopesa kaye mana ou babumba. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et na kopesa kaye banga moke à pembe. Et sur ces cailloux. Que personne ne connaît. Si ce n'est celui qui le reçoit. Que bénisse Dieu. Ça ne vient pas pour l'habitude. Nous prêchons la parole en temps favorable. Tout est à le corps est en moins problème. Même si notre corps subit un problème, et l'angine et la toux nous dérangent, la puissance de Dieu a dérangé. Un roi a eu qui est le prophète est malade. Mon condiment pour eu qui était mon sac pour les amis gobelins. Dans 2 Rois chapitre 13. Élisée était malade, il était mourant près de la mort. Il n'était pas venu les consoler, non. Il avait un programme de la bataille. Mais il a compris que la puissance de vaincre cette bataille, c'est vers Élisée le malade. Il s'y est rendu. L'homme dit Dieu. Alobi mon père, Tatanangai. Chah d'Israël et sa cavalerie. L'Ikalo et Salépe, ma pinga n'a pas ma tipunda. Élisée était malade. Élisa Zalaki Kobela. Mais il avait la puissance de Dieu. Kasia Zalaki Nanguya Nzambe na Yenoko. La maladie d'Élisée est allée à l'œuvre de la croix. Pourquoi Élisa est allée à la moussale pour nous? Parce que quand Jésus a prophétisé sur le Seigneur à la croix, parce que lorsque Jésus prophétisait sur ce qui devait se passer à la croix, dans Luc, chapitre 4, verset 24 et 27, à partir du verset 4 jusqu'au verset 7, vous me direz, alors, il dit, non, vous pouvez le savoir, médecin qui est de toi-même, mon danga, mibi qui saille au mon corps. Donc Jésus était malade. Donc Jésus était malade à la croix. Mais c'est une puissance. C'est pourquoi Seigneur dit un prophète a pu faire ta malade. Parce que nous connaissons tout qui s'accomplit en Jésus. Parce que toute chose qui s'accomplit en Jésus-Christ, c'est significatif. Et ça significatif. Ezali na limo la nango. Donc c'est que, c'est-à-dire, na kati na yango. Dans toutes ces choses, quand le roi poussa le débat prophète, lorsque le roi s'est dit approcher du prophète, Élisée lui avait dit de tirer la flèche. Ouvre la porte à l'Orient. Ouvre la porte à l'Orient et, ta flèche. Et tire la flèche. Ah, tu avais dit flèche. Il a tiré la flèche. La bengiango flèche à délivrance. La bengiango bandi yamukangola. Ce qui côté à Tala qui est à l'Orient. Si là où il s'était tourné, c'était à l'Orient. Cela veut dire place flèche et zobeta yikolomézan, couché à soleil. Donc là où la flèche était lancée, c'était le coucher du soleil de l'Occident. Donc flèche en réalité à délivrance. Et qu'on va dans la coucher et qu'on traverser toute la nuit d'inattendre.
La flèche va commencer à l'Occident pour traverser toute la nuit et arriver le matin. C'est pourquoi il s'est détourné vers l'Orient. Il a tiré sa flèche. Et nous comprenons que Jésus-Christ va au fin du soir. Et tout ce soleil est qu'on a zara qui libonze un peu quoi. Le fin du soir là. Libonze un peu quoi là. C'est ça l'Occident. Il y a un ngambo et là les sacrifices au soir. Il y a un monde qui est un peu quoi. Mais ils ont traversé toute la nuit avec l'église dès le matin. Parce qu'ils ont quitté sa route pour qu'il y ait une église et après il y a un matongo. Pour qu'ils ont en Israël. Enfin qu'ils retournent en Israël. C'est lui la flèche de l'Église. Il y a un monde qui est un peu quand on la libota. C'est ce que Dieu parlait là-bas dans 2 Mois 13. Et c'est ce que Dieu est en train de dire dans 2 Mois 13. Donc, dans lui, en gros, tout simplement, qu'on entend Israël que. J'ai pris cela tout simplement pour démontrer. La chair est cause d'un problème. D'autres coquilles causent un handicapo. Mais la parole est cause d'un problème tel. Mais la parole de Dieu n'aura pas de problème. Un jour, nous allons intervenir dans Gemena. Un jour, j'ai prêché dans la ville de Gemena. Maladie, comment qui tellement m'a cassé. La maladie s'est empirée. J'ai dit au frère, je vais prêcher, il ne faut pas vous en inquiéter. Alors, on m'avait mis une chaise devant le peuple pour enseigner la parole. J'avais dit, je vais prêcher Jésus-Christ. Je n'ai pas la force de m'élever. C'était le culte du dimanche. Et nous avons prêché, le Seigneur s'était glorifié. Nous étions seulement assis, il n'y avait pas moyen de nous lever. Mais c'était des combats de l'ennemi. Ils allaient qui lui tomba à Moïsata. Cherchant à nous effacer. Koluka Yakobo Mabiso. Mais Dieu reste toujours fidèle. Parce qu'ils avaient dit qu'à la cassette. Natawana Batawa doctrine Moussous. En ces temps-là, le fidèle des autres doctrines, il s'adressait à nos frères en disant, toujours dans la même ville de Gemena, nous allons tuer votre ministre là dans cette ville. Il ne sortira pas de cette ville. Parce qu'il nous tourmente à la radio. Ces enseignements mettent des troubles dans nos églises. Alors nous avons prévu de le tuer. Et le frère venait me le raconter. Il a croisé le pasteur de telle doctrine. Moi je l'ai dit. Au moins qu'il soit notre créateur. Si le créateur, alors ses paroles pourront s'accomplir. Effectivement, ces temps-là, j'ignorais que j'étais diabétique. Tombé malade et continuer ma casse encore. Je suis tombé malade et la maladie s'empirait. Alors, il y avait une sœur. Et ça là, qui n'a que moi si bon ganga. Alors, non. Le premier, il va comprimer, venir. Elle m'a dit, tu as pris trop de produits et la solution ne se donne pas toujours. Il faut te perfiser. Nous devons te perfiser. Nous devons te perfuser de l'eau glycosée. Sache que dans l'intérieur du pays, c'est difficile d'avoir l'idée de faire l'examen du taux de sucre. C'était très difficile en ces temps de voir un glycomètre. En 2005, je pense. En 2005, je pense. On m'a perfusé de l'eau glucosée. On a mis des produits de la malaria à l'intérieur. Mon frère, l'évangéliste Jean Zogui. J'étais dans la maison de l'évangéliste Jean Zogui, mon frère. Perfusion ici. La perfusion a cessé. J'ai essayé de me lever. Je ne le pouvais. J'ai fait quelques pas. L'évangéliste a dit de m'amener vite à la clinique.
On m'a amené à la clinique. On tenait un docteur Ndila. On s'est croisé avec le docteur Ndila. L'ancien docteur président Mobutu. Qui était l'ancien médecin du président Mobutu. Il nous a reçus. Il a appelé celui qui travaille au laboratoire. Afin de prélever le sang et de faire tous les examens. Il a prélevé le sang. Il a fait les examens. On m'a donné un lit à l'hôpital. On a donné les résultats du labo. Mais du côté du taux de sucre, il a mis 100, donc c'était normal. Or, par rapport, on a su qu'il n'avait pas fait l'examen de la glycémie. Il avait mis seulement un chiffre aléatoire. Lorsque le médecin a vu que l'examen était normal, comme j'étais très faible, vous devez l'administrer encore de l'eau glycosée afin qu'il puisse être fortifié. Il a prescrit un traitement sous eau glycosée. On me donnait toujours de l'eau glycosée, sachant que la glycémie était normale. Chaque jour. Matin soir, eau glycosée. Eau glycosée, matin soir. Tout le jour. Je suis entré dans le coma. Le Seigneur est venu me visiter. Il m'a dit, tu ne vas pas mourir, frère. J'ai une mission à accomplir avec toi. Il m'avait raconté une histoire qui nous concerne que nous deux. La chose que je t'avais dit en dehors, je t'avais dit ceci, ceci, cela. Tu vois que cela ne s'est pas encore accompli. C'est-à-dire que tu ne seras pas encore étranger de la terre. Maintenant, il m'a dit ceci. Envoie les gens dans ta valise. Qu'ils cherchent un carnet et des numéros dans ta valise. Et ce carnet a beaucoup de noms et de numéros de téléphone. Et qu'ils cherchent le nom du frère Gaston. Et qu'ils appellent ses frères. Tout ce que le frère Gaston aura leur dit, et qu'ils puissent l'accomplir dans ton corps, et tu seras sauvé. En ce temps-là, il a ajouté d'autres choses, et puis il est reparti. Je suis sorti du coma. J'ai appelé l'évangéliste pour lui dire, le Seigneur vient d'être ici. Il a dit c'est vrai. J'ai dit, il vient d'être ici. Il m'a dit que je ne mourrai point. Il m'a dit que je ne mourrai point. Il a dit, allez dans la valise. Et prenez le carnet. Il y a beaucoup de noms dans le carnet. Mais trouvez le nom du frère Gaston et prenez son numéro et appelez ses frères. Tout ce qu'il aura à vous dire, ses frères Gaston, et appliquez-le sur mon corps. Et je ne mourrai point. Et je suis rentré dans le coma. Ils sont vite rentrés à la maison. Ils sont allés dans ma valise. Ils ont fini. Ils ont trouvé les carnets. Ils ont regardé le numéro. Ils ont vu le nom du frère Gaston. Ils sont vite venus à l'hôpital. Ils sont entrés. Parce que l'homme, lorsqu'il meurt, et beaucoup de sens partent déjà, et ce qui reste, c'est lui. L'écoute. Et c'est ce qui part le dernier. Et j'écoutais comment est-ce qu'ils discutaient. Lorsqu'ils ont amené le carnet, l'évangéliste a appelé le frère
Gaston, c'est notre frère, le médecin. Le frère Gaston, c'est notre frère, il est médecin. Le Seigneur le reconnaît comme un médecin. Amen. C'est quoi dans les États-Unis, la famille? Pour le moment, il est aux États-Unis. Bingi. On lui a appelé. Bingi. Lorsqu'on lui a appelé, Gaston, le frère Gaston a dit, au salut, l'examen du cycle. Et faites l'examen du cycle. Tango. Évangéliste au sol. Lorsque l'évangéliste a fini la conversation, on avait un frère qui s'appelait Jumens, qui était à deux avec l'évangéliste. Jumens soit aussi à Zalaki, diabétique. Et ce frère Jumens était aussi diabétique. Il a une notion de diabète. Il connaissait bien les notions de la diabète. Il a donné évangéliste. Alors il a posé la question à l'évangéliste. Il a dit, papa, il a dit, père, qu'a dit ce frère? Que nous devons faire l'examen du cycle. Maintenant, le frère a commencé à expliquer à l'évangéliste. Non, il a tapé à côté, ce frère. Le traitement que papa a reçu, il ne peut jamais être examiné. Jamais. Maintenant, il n'y avait pas moyen que je puisse ouvrir la bouche. Il n'y avait pas moyen non plus d'ouvrir le cœur. J'attendais seulement la puissance. Là, du fond du cœur, je disais, Moto, l'homme ne meurt que comme ça. On vous avait déjà dit, mais tout ce que Gaston va ouvrir. Voilà moyen de conversation. Mais il n'y avait pas moyen que ma bouche s'ouvre. C'est seulement le goût qui m'était resté. Mon frère, vie de notre vie est dans le casque. Et dans la main de Dieu. Tu as la capacité de gérer ta propre vie. Tu n'as aucune capacité de gérer ta propre vie. Tu n'en as pas. Tu n'en as pas, bien aimé. Ce qui n'a pas venu pour qu'il n'ait vie, mon gozon gâté, pour faire la bonne. Si le Seigneur dit que tu vas mourir là où tu vas lui mourir. Jumens a donc expliqué ce qui est vrai. Le frère Jumens a expliqué ce qui était vraiment vrai. Il a dit ceci. Il a donné un exemple dans cette ville. Une semaine avant que je n'entre dans l'hôpital. Il y a un pasteur de Tzambemala qu'on avait administré de l'eau glucosée. Et sans savoir qu'il était diabétique. L'eau glucosée, c'est la tête. L'eau glucosée n'était pas arrivée à son terme. Même pas au milieu, ses pasteurs étaient morts. Maintenant, Jumens a pris comme témoignage. Maintenant, Jumens l'a pris comme un argument solide. Il expliquait à l'évangéliste. Il a dit, et quand vous recommandez lui sur la vie là, cette chose nous est arrivée ici à la vie. Il y a un pasteur dans le mal. D'un pasteur de Zambé malade. Papa, j'en suis venu à côté. Tu ne le sais pas. Il a eu bien. Il dit, je le sais. A expliqué, expliqué. Il a expliqué. L'explication que tu mets dans le mes bien, c'est la science. L'explication qu'il donnait, le frère, c'était une vérité scientifique. Mais au moins, nous avons cassé la promesse. Mais moi, j'ai passé une étape de la promesse. Yango Foucault, il va pour l'expliquer dans la salle. C'est pourquoi il faut savoir respecter les ordres de Dieu. En ces temps-là, l'évangéliste était dans des jeûnes et prières à cause de nous. Presque l'église ne faisait qu'en prière. Et presque toute l'église prie en ma faveur. Il a dit au frère. A le dit frère Jumens. Frère Jumens. Ce que tu as dit est vrai. Mais il s'est allé à la recommandation du Seigneur. Nous, mes amis, nous avons dit à 10 000 de ça. Il a été moi, j'ai senti la paix du cœur. Je suis réellement sauvé. Là, il n'y avait pas moyen que ma bouche s'ouvre. Comme c'est Dieu qui a le commandé. Le Golan Zambé a fait ce motivé. Nous devons faire cet examen du sucre. Je me suis dit. Le frère lui a dit, ça va la deux au cacapo. Ça va, je t'obéis parce que tu es un père. Je me rends à la maison pour prendre mon bicomètre. Mais je viendrai avec cela. Et tu verras que le frère n'est pas diabétique. Pour expliquer qui
Pilate a porté la machine parce qu'il y avait ceci. À part l'eau glycosée que je prenais, on m'avait administré encore de l'hydrocortisone. Hydrocortisone, les années 10 sachets à eau glycosée. L'hydrocortisone, c'est 10 sachets d'eau glycosée. C'est comment pour les mots? C'est juste un petit flacon. Mais ça concentre 5%. Mais ça a une très forte concentration. Eau glycosée, ça va concentrer à 5%. Et l'eau glycosée, c'est 5%. Maintenant, l'hydrocortisone est à 50%. Dans l'hydrocortisone, c'est 50%. Aussi, maintenant, on va jouer les bébés. L'eau glycosée tombe pour après, bah, il faut que l'hydrocortisone est 10 sachets. On prend dedans l'hydrocortisone comme 10 sachets d'eau glycosée. T'as envoyé la machine. Lorsqu'on a apporté la machine, ils ont fait l'examen. Et puis c'est 493. Ça devient 493. Le frère, je ne sais plus. Où il allait en même temps? Le frère a dit, c'est lui qui a lutté ici, c'est un homme de Dieu. Ils ont caché leurs résultats. Ils sont allés dire au médecin en place. Médecin. Ton collègue médecin vient de dire. Ça l'examen aussi. Fais l'examen aussi. Là, ils ont caché les résultats. Le médecin s'est moqué du frère. Avec tout ce que je lui ai prescrit, il ne peut pas être diabétique. Enfin, Jésus a dit, papa. Ce n'est pas nous qui t'envoyons faire. Si c'était nous, mais c'est ton collègue médecin. C'est pareil à vos discussions scientifiques que vous faisiez. Alors vous avez appliqué. Et pour l'administrer aux malades, lorsqu'il a dit ainsi, le médecin lui s'en va. Parce qu'ils ont l'orgueil scientifique. Science, science. Et toute science a son orgueil. Attends, même si il n'y a pas comment s'aimer la chambre. Donc ils ont moins le lingue dans mon carte. Comme on lui a dit que c'est son collègue médecin qui a dit. Alors ici il a couru. Il a apporté la machine. Là ils avaient leur résultat qui cachait. Et il observait comment est-ce qu'ils vont faire. Lorsqu'ils ont fait l'examen, ça a donné 495. Il a couru. Celui-ci n'est pas un homme. Ami Azali Mototé. C'est un drôle d'homme. Azali est l'imam. Il criait comme s'il a drôle d'homme. Drôle d'homme. Le légat Moto. Drôle d'homme. Drôle d'homme. Et c'est lui qui bon. A qui maman? C'était comme la folie, les médecins ont fui. Arrêtez mon salaire à l'hôpital. Il a arrêté tous les services à l'hôpital. Il a dit, venez voir la sorte des corps que j'ai devant moi ici. Et les médecins ont rempli la salle. Dans l'hôpital, on va camionner sur tout ça et dans tout le monde. Regardez tout ce qu'on a fait sur ses corps. Ah, ça vit. Mais il s'est en sorti, il est vivant. Il n'est pas mort. Et directement, le laboratoire dit. Je me suis rappelé que je n'avais pas fait l'examen du sucre. Alors, on m'avait déjà dit Tonga, c'est la roquille. Et lorsque je me suis réveillé, j'ai commencé à blâmer les laboratoires. Les seigneurs et les seigneurs. Les seigneurs m'ont dit laisse, frère. C'est Naïmis qui veut déjà. Je t'avais déjà dit que l'hôpital était envoûté. Que tout l'hôpital était envoûté. Je me suis ressaisi. Après, j'ai dit à Dieu, comme tu as donné la solution, je me mets de mener dans cette ville. Je sors de la ville. Moi, je vais sortir de cette ville. Le Seigneur a dit que j'ai beaucoup de gens que tu dois prêcher dans cette ville. Moi, je lui ai dit, tu vas voir, je vais voyager. Il m'a dit, tu ne vas pas voyager, frère. Je lui ai dit, je vais voyager, Seigneur. J'ai dit, au frère, on a acheté les billets. Ils ont acheté les billets, j'étais toujours à l'hôpital. Ils m'ont emporté les billets. Le vol de Kinshasa.
Le Seigneur, tu as vu? J'ai déjà acheté le billet de Wabo. Je vais voyager. Le Seigneur m'a dit, tu ne vas pas voyager, frère. Tu dois prêcher Isaac. Tu vas voir, Seigneur, je vais voyager. Il est arrivé le jour du voyage. On m'a amené jusqu'à l'aéroport. Je suis arrivé. Le Seigneur m'a dit, tu ne vas pas voyager, frère. Parce que j'étais le dernier à entrer. Et l'avion attendait en bas. Parce que c'était du temps de 1 plus 4. Et c'était le fief d'un des vice-présidents. Et le chef de ce service-là, c'est l'un de nos frères de l'Assemblée. On avait signalé que. Un homme venait. Là, l'avion ne faisait que m'attendre sur le tarmac. Et on attendait un homme honorable qui venait pour voyager. Le Seigneur m'a dit, même si on te séduit, tu n'iras pas. Moi, j'ai dit, Seigneur, tu verras que je vais partir. On est arrivé là-bas sur le tarmac. Lorsque je monte, je dis à Dieu, est-ce que tu as vu? Tu vois comment marcher? Le Seigneur m'a dit que tu n'iras pas. Je suis entré jusqu'à l'intérieur. J'irai ma souja. Et dit l'hôtesse m'a vu. Le billet. J'ai regardé les billets. Voilà, regarde. Là, l'avion faisait déjà le taxi. L'hôtesse m'a dit, toi, tu n'iras pas. Moi, je lui ai dit, je suis en ordre, je m'en comment est-ce que je n'irai pas? Elle m'a dit, monsieur, ne me dérange pas, tu n'iras pas avec moi. Je dis, moi, je suis au Est-ce que le billet est mal? Nous n'avons pas de problème avec ton billet, mais tu n'iras pas. L'homme qui faisait le taxi a arrêté l'avion. Il est descendu. Quel problème? Il a pensé. Je lui ai expliqué, regarde ton hôtesse. Je suis en ordre avec mon billet. Et toute l'avion descend. Le Seigneur m'a dit, je t'avais dit même si tu as un ordre. Mais tu vas rester ici pour prêcher l'évangile. Les blancs m'ont dit, moi je ne veux pas conduire cet avion jusqu'à ce que tu vas descendre. Pourquoi vous tous vous êtes liés contre moi? C'est quel problème? Là, le Seigneur m'a dit, je t'avais dit, frère, tu n'iras nulle part. Même si tu as un ordre avec le billet. On a encore ouvert l'avion. Et voilà, j'ai frappé de descendre tout mon cœur. Et les gars, ils ont acclamé le pilote. Lorsque je suis descendu, même si tu as fait que je ne puisse pas m'en aller le dimanche, les mardis, ça ne va pas rater. Je ne veux plus prêcher dans cette ville. Le Seigneur a dit à cause de toi, les deux sociétés aériennes qui viennent dans cette ville, les mardis, ces avions ne viendront pas. Oui, Midira et Ewabora vont annuler leur vol. Enfin, que tu demeures toujours ici pour enseigner. Lorsque nous sommes rentrés, j'ai donné cette prophétie à l'évangile. Frère, je lui ai dit le mardi. Le Seigneur m'a dit qu'il va annuler le vol des deux avions parce qu'il m'interdit d'aller, mais je vais toujours aller.
Le Seigneur a dit que je vais annuler ces vols pour que tu saches que j'ai besoin que tu prêches ici. Là, c'était le dimanche. Lundi. Le lundi. À 11h. Bah, il sera 11h. La radio, toujours là. À la radio, on suivait. Wimbi ira annonce les communiqués à tous ses passagers. Alors, on peut s'excuser. Et la société s'excuse. Et mardi. Et le mardi. Ayat. Après quelques minutes, après quelques minutes près de la radio, communiqué très important. Et Wabora, s'excuse auprès de tous les passagers que le mardi, que son avion ne viendra pas. Le Seigneur m'a dit, je t'avais dit que je vais amener pour que tu prêches la parole de Dieu ici. C'est pourquoi je n'ai pas joué avec la parole de Dieu. Je sais que j'ai des preuves célestes de Dieu. Et lorsque nous faisons l'œuvre, c'est avec beaucoup de sérieux. Parce que le ministère faut en bas et pas moi. Parce que Dieu doit reconnaître un ministère. Et c'est alors que cela va donner la vie au peuple. C'est pourquoi, même si la santé est détériorée, le Seigneur est là. On peut se fortifier. Fortifiez-vous. Ne craignez pas, le Seigneur va nous garder pour toujours travailler. Il va nous assister parce que c'est l'œuvre à laquelle il nous appelait. Nous n'avons pas une autre vie. Christ. Seulement cette vie de Christ et Jésus. Dieu vous bénisse. Ça ne paye à pas pour la mission. Donc c'est que dans le texte, la vie sur l'Apocalypse 2, verset 17. Dans le texte d'Apocalypse 2, le verset 17, nous avons trouvé ma récompense au Seigneur à lui. Et nous trouvons les récompenses dans le Seigneur à parler. Nous avons abordé d'abord la question de comment on a posé. J'aborde d'abord la question qu'un frère m'avait posée. À tout le monde qui. Différence entre man na manoyo babombaki. Ok, c'est ni mes amis na manato pe na manoyo babombaki. Na boye d'abord na kutaka na boye. Donc physiquement comme ça en observant, ils avaient quand même moko. C'était seulement la même man. Mais man oyoyo oyo bazalaki kolia. Mais la man qu'il mangeait. Mais manu babomba qui va nous aider à polyater. La manne qu'on avait conservée n'était pas pour manger. Il avait qu'on a témoignage. C'était conservé en guise du témoignage. Donc manu, ils allaient dire parce qu'il y a manu. On mangeait la manne. Na katia manu, parce que souvent prélevé manu. Et dans la manne, on prélève une portion. Manu, on a parlé qui va garder qui pour un témoignage pour n'avoir. On avait gardé cette manne pour servir de témoignage aux descendants des enfants. Et ces témoignages la montraient que le Seigneur dans les déserts les avait nourris de la manne. Maintenant, lorsque nous parlons de la manne conservée, cela veut montrer que cette manne a la victoire sur la mort. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Il y a beaucoup de ce que nous sommes. La chair ou le corps ici que nous avons. Et sa corruptible. Donc, l'épée du Samakato est pour la canne. Mais ça n'a pas tout le temps à bomber du saut. Mais il y a un corps que le Seigneur a conservé pour nous. Et ce corps-là ne subit pas la corruption. Les corps qu'il a conservé pour nous, c'est tout. Et sa parole, mais sa parole n'est que salia. Donc c'est la parole qui a créé ces corps-là. Et parole à votre sang. Et c'est cette parole que nous avons. Mais dans la promesse, il y a parole, il y a voilà ta corps de gloire. Mais dans la parole, on a une promesse de porter un corps de gloire. C'est pourquoi je vous avais lu 2 Corinthiens 5. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, là-bas on avait vu bien-aimé, si notre corps ici est détruit,
Nous avons un corps qui est conservé dans le ciel. Vous voyez ce corps-là qui est conservé. Alors, si ce corps ici n'est plus, nous allons porter ce corps-là de gloire. C'est pourquoi on avait pris un témoignage. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 36, on avait montré qu'on fait la comparaison d'un corps à un grain. On les lit encore bien. Mon grand souci, ma kata moussala, pour ça, la gaya ma kasi na moussala, ils ont d'abord compris l'enseignement. C'est que vous compreniez l'enseignement. La bani même le verset 35. Le verset 35. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Et le verset 38. Jusqu'au verset 38. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais quelqu'un dit là, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps vient-il? Insensé. Ce que tu sais, ne reprend point vie. S'il ne meurt, et ce que tu sais, ce n'est pas le corps qui les traite. C'est un simple grain. Des blés peut-être. Il y a un moment blé qui cause là. Ou de quelques autres semences. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Mais si Manavon Zabé a coupé ça, les autres le lèvent et c'est bien. Et à chaque semence. Puis Namon de Gion. Il donne un corps qui lui est propre. Après ça, quand il y a un autre, il y a un autre sien qui s'y occupe. C'est pourquoi on avait sillonné sur le grain. Et total qui est dans Exode 16. Et on avait vu dans Exode chapitre 16. En verset 31. Au verset 31. Total qui est en mode, tout est encore par la grâce de Dieu. On l'avait lu et on l'est remis par la grâce de Dieu. Exode 16, au verset 31. Relisons le nom de Jésus-Christ. Tout à qui n'a compris sous Christ. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de Man. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Donc, cela ressemblait à de la graine. Et les mawananes comme corps. Et cet élément-là que je prends comme le corps. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, mais toi, pense à qui? Alors, on avait avancé. Effectivement, avant de les manger, on les pilait aussi dans le mortier. Là, c'est nombre 11. Là, c'est dans Nombre chapitre 11. Et si maintenant, on est tout le temps pour la route, c'est un objectif. Mais saisis d'abord que nous avons un objectif dans notre marche. On est tout à l'issue qui bouille. Alors, on avait montré ceci. Que mal caché, c'est tout un corps promis. Maintenant, on avait pris l'étape de la terre promise. Israël. Israël, frère. On a donné le temps pendant lequel il a mangé la manne. Au verset 35, il y a Exode 16. Au verset 35, Exode chapitre 16. Il faut s'exercer ça quand même au niveau en d'âme. Tu dois t'exercer même au niveau de ta maison. Que au fond de la parole répétait ma chose vile dans ma télévision. Au lieu de rester là et répéter les choses vaines à la télé, soit temps à pour répéter quand des enseignements. Il prend le temps de répéter plus l'enseignement. Attends, le verset 35e. Je lis le verset 35. Il y a Exode 16. L'Exode chapitre 16. Nous lisons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans. Nous avons vu le temps où ils ont mangé la manne. 40 ans. Pendant 40 ans. Donc en réalité, dans le sol, je vous avais donné Deutéronome chapitre 1. Deutéronome, Moïse a commandé Deutéronome dans le 11e mois, il y a 40e année. Moïse écrivait les livres de Deutéronome au 11e mois de la 40e année. On a souvent dit Deutéronome chapitre 1. Là, en prenant Deutéronome chapitre 1, on va aller dans le verset 3, c'est le
verset 5. À partir du verset 3 jusqu'au verset 5. On est déjà dans le Deutéronome. Déjà dans le Deutéronome, frère. Lorsqu'ils sont arrivés dans un pays habité, Moab, les pays de Moab, Moïse dans un commandement. Et Moïse écrivait les livres de Deutéronome. C'était au 11e mois. De la 40e année. C'est pour 40e année, s'il reste combien de mois? Et il reste combien de mois pour que s'achève la 40e année? Un seul mois seulement. Il y a combien de mois? Et là, le mois de décembre. Selon le calendrier, la mission, mais on est à décembre. Et selon notre calendrier. Parce que 11e mois. Parce que le 11e mois. La calendrier Bible. Dans le calendrier Bible. Il va même se retomber par février. Et chez nous, ça va tomber le février en février. Donc, tu as commis. Et lorsqu'il a écrit le livre, ici. Il a fini de l'écrire. Il est mort. Maintenant, on a vu dans Deutéronome 34. Balela Moïse pendant 30 jours. On a fait les deuils sur Moïse pendant 30 jours. Et il y a Moïse dans le 12e mois. Les deuils de Moïse, c'était au 12e mois. Donc, dans quoi c'est deuil? Lorsqu'ils ont fini les deuils, n'est pas clôturé 40 ans. C'est alors que les 40 ans furent clôturés. Maintenant, Awa Balbi. Maintenant, ici on dit. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans. Baliakimana migoutou kumine. C'est ça, verset 35. Le verset 35. Donc, c'est qui va les mantifier à Moïse. Ils ont mangé la manne jusqu'à la fin du deuil de Moïse. Jusqu'à l'air arrivé dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à l'air arrivé aux frontières du pays. Cette écriture, j'en ai mis ce bichon. Cette écriture nous atteste que tant aux 40 ans et coquilles, lorsque les 40 ans se sont accomplis, manne qui t'a soutenu. La manne n'était plus descendue. Toujours bien, hein? Nous nous faisons bien comprendre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais la ligne a brûlé. Josué dans la suite Moussa. Lorsque Josué a pris la relève, alors Moussa dans la 41e année. Il reçoit la relève à la 41e année. Une année, on était cette année, une année pour pas compter le repos. Donc c'est une année là, c'est une année pour entrer dans le repos. Et dans Josué, chapitre 1, verset 11. Alors, dans Josué, chapitre 1, verset 11, j'ai dit au nom de Jésus-Christ. Nathalie n'a pas connu Jésus-Christ. Parcourez les camps. Et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions. Car dans trois jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir les pays de l'Éternel. Dans l'éternel votre Dieu, vous dans la position. Donc, lorsqu'ils entrent dans cette 41e année, la provision. Ils ont fait les provisions de nourriture. Pourquoi j'insiste sur ces points? Parce que dans l'Exode 16, Sabbat mané qui t'a gâté. Au jour du sabbat, la manne ne descend pas du ciel. Mané qui t'a gâté. La manne ne descend que pendant 6 jours. Vous voyez dans le 7e jour. La manne que vous mangerez au 7e jour. C'est la provision que nous avons baissé au 6e jour. C'est la provision que le Seigneur a donnée au 6e jour. Donc, à ma bébé, nous avons baissé à Abraham. Or, la terre que le Seigneur avait donnée à Abraham. Nous avons sabbat. Le Seigneur lui-même l'appelle le repos ou le sabbat. Avant d'entrer dans le sabbat, il faut que vous ayez la provision pour Bokota Sabbat. Il faut que vous ayez la provision de nourriture avant d'y entrer. C'est ce que j'ai dit ici. Il y a mon de la Zali Koloba. Verset 11, il y a Josué 1 n'a pas battu. Le verset 11 de Josué 1 n'est pas en train. Il n'a pas confirmé que la terre d'Abraham est à Sabbat. Les apôtres n'ont pas dit que ça dit que c'est ma belle balle, mais ça dit Sabbat à tout coupé. Parce que le sabbat, parce que le jour du sabbat, la manne ne descend pas. Que Dieu bénisse. Amen. Mais il y avait la manne. Que Dieu bénisse. Amen. Manne où ils la provision. Mais la manne qui encore vient de la provision, des provisions. C'est pourquoi je vous avais donné Matthieu 11. Et verset 13. Au verset 13.
La loi et les prophètes et prophéties étaient dans Jean. Mon béco pé basakoli basakola kakino yoa. Vous allez dire 40e année ici. C'est comme la 40e année qui a pris fin. Vous allez en avant. Vous suivez attentivement. Jésus, c'est la terre de Canaan. Jésus, c'est ma belle et la terre de Canaan. Parce que man doit s'arrêter à la frontière de Canaan. Parce que la main doit s'arrêter aux frontières avant d'entrer. C'est la loi et les prophètes et prophéties jusqu'à Jean. Il y a un mot de copé, dans le sens que Jésus, c'est l'accomplissement de l'ombre. L'ombre, l'agneau. L'ombre, les animaux. Jésus, c'est la réalité. Jésus, c'est le sol et moi, non pas. Il y a une prophétie s'arrêter jusqu'à Jean. C'est pourquoi la prophétie s'est arrêtée jusqu'à Jean. C'est la main qui se crée juste la frontière. Il y a un mot de copé, kokita na mindelo ya mokokota kana. Mais, na katia kana. Mais dans Cana, ils ont la provision à moi. Ils ont dit à ma main, on va pomba capo balia. Jésus qui est Cana. Jésus qui est Cana. Je ne suis pas venu abolir la loi. N'a y été pour la cause, il s'en fait. Tant que le ciel et la terre subsisteront. Tant que nous sommes en ma colopé na se kozalaka. Aucun iota dans l'écriture et colombe. A tal comi mon côté, n'a le comi koukouya. A tal si provision pour la main. Il a montré que c'était ça la provision de la main cachée dans le pays. Que Dieu bénisse. Ça ne vient pas pour la vie. Donc, Jésus accomplissait la loi. Yesu asalaka koko ki sambe. Et c'est ce que toujours remarqué. Et c'est ce que nous remarquons bien. Donc, c'est que, c'est-à-dire, dans le pays, lorsqu'ils sont dans le pays, toujours remarqué. Qu'est-ce que nous remarquons? En étant dans le pays, na kuzala na mboka, bah, les man, ils ont mangé la manne. Et les chrétiens disent la manne, c'est ça. Et, comme le dit, mana et silaka. Man et c'est les lendemains de la Pâque. Mana et silaka, l'ombi na yango ya pasaka. C'est ça le verset 10e de Josué 5. Et c'est ça le verset 10 de Josué 5. Les lendemains à Pâque. L'ombi na yango na yango ya pasaka. C'est ça. Et la manne, c'est ça. Là, on avait montré ceci. Dans Romains 10, verset 4. Dans Romains 10, verset 4. Christ est la fin de la loi. Christo azali souka ya mobeko. Yango no te sikibi no. C'est pourquoi je vous avais montré. Dans vos ambes a rejeté qui déjà Saoul. Lorsque le Seigneur avait rejeté Saoul. Samuel a dit à vous Samuel a bon ami. Et Samuel a prié en sa faveur. Dans 1 Samuel 16 à partir du verset 1. Dans 1 Samuel 16 au verset 1. Le Seigneur a dit Samuel qui est ici n'a rejeté qui. Le Seigneur lui a dit que je l'avais déjà rejeté. Après on a dit à Wendel un fils, un roi en avant. Après cela, il lui a envoyé rendre un fils dans la maison du Saint. Mais remarque bien, Saoul était déjà rejeté. Saoul est une zambie à quoi cacaillé. Mais tant qu'Azaïa poursuivait David. Mais lorsqu'il poursuivait David, et que grotte où David a contacté, et que la grotte où David était entré, Saoul aussi n'a pas tenu à l'autre. Et Saoul aussi avec ses gens qui étaient entrés. Parce qu'il a David, voilà. Et ceux qui étaient avec David ont dit, lorsque le Seigneur avait fait plonger Saoul et ses gens dans un profond sommeil, David dit à livrer ton ennemi en plus. Ils ont dit à David, Nzambe a kabi mon bouna na ma bokole. Mais qu'est-ce que David a fait? Mais nini da ou yasala? Azaki Krishna akati songe ya robe. Azaki mbe ki pe akati les pans de la robe. Dieu me garde. Alors Nzambe a bâti la naïpédia. De porter ma main sur loin de l'éternel. Donc, lui l'avait déjà, parce qu'on voit qui. Il était déjà rejeté, mais il appelait toujours Saoul loin de l'éternel. Na cantique finale. Na nzembo ya matanga ou ya mao. Na 2 Samuel 1. Dans 2 Samuel chapitre 1. Tant que David a suivi ma nzembo ya matanga. Lorsque David chantait le cantique funèbre, a aimé Jonathan na Saoul. Il a chanté sur Jonathan et Saoul. Alors, lui a cessé de les soigner. Ma fouta est tiki kosopa na ko na bako. Donc, David et Saoul a été rejeté. Saoul ou yé ma boa kakiye. Donc, ma frère cessé lui. Donc, ma fouta est tiki kota na ko na bako. Mais encore, oui. Kasi azali sousou na ma fouta. Zona na manam. Ah. C'est exactement. Et ça dit le même encore. Pour la veille la monde. Pour que la veille le voie. Le Seigneur.
le Seigneur Jésus, il avait craché sur la terre, mais il a utilisé la même terre pour la guérison. C'est Moïse. Cette terre, c'est Moïse. Moïse qui est incapable de racheter. Qui était incapable de racheter. Mais pour la délivrance, va vous utiliser la carrière. Si bon à l'obico, va vous saler la tata, ma belle amuse. Je viens au Seigneur pour faire ta volonté. Dans ce yankolo, pour la poussa, la moukane. Dans le rouleau, il est question de vous. Dans ma commis, va l'obico, n'est pas là. À vous saler la volonté par rapport dans le rouleau. Il va accomplir la volonté du Seigneur par rapport au rouleau des prophètes de Moïse. A craché Nicolas Mabéli. Il a craché sur la terre. Parce que Mabéli Moïse. Parce que la terre c'est Moïse. A craché à Nicolas Namontoyo Aboui pour relever postérité. Il y a des frères. On crache sur les frères qui sont incapables de relever la postérité de son frère. Jésus avait craché. C'est pourquoi Yesu a quoi qu'il soit. Il utilisera toujours ça pour donner à ce frère. A salé la tata Mabéli pour habiter qui s'amoute en Hollande. Tu suis attentivement les disciples. Jésus-Christ a l'obat qui vous semble la paix au Seigneur. Il n'était pas parvenu à prier. Il est venu le visiter trois fois la fille. Il n'est parvenu pas à prier. Mais il leur a dit, c'est assez. Ici, il y a dormez maintenant. Alors, on a dit deux verbes contraires. Il a utilisé deux verbes contradictoires. Dormez. Bola. Après, levez-vous. Benassima, ôtez. Car le temps est un fils de l'homme à livrer. Parce que le temps de la livraison du fils de l'homme est arrivé. On doit lui poser la question, Seigneur. Tu as employé deux verbes contradictoires comme les deux verbes. Tu as dit dormez. Bola. Après l'obi, et la simanango, levez-vous. Alors nous devons appliquer quel mouvement? Quand on sait que Dieu, donc nous savons, dans son parler, Azalaki nakatia prophétie. Il était dans la prophétie des Écritures. Azalaki kobomba makambo na ye. Il cachait ses choses. Le verset 42. Le verset 42. 41 à 42. Il y a Marc 14. Et il revint pour la troisième fois. Puis Azotaki Yambalamisa. Et l'air dit. Puis à dormez maintenant. Si quoi au mot là. Et reposez-vous. Bon paiement. C'est assez. Et conquis. L'air est venu. Voici le fils de l'homme délivré aux mains des pécheurs. 42e verset. Levez-vous. Alors voici celui qui me livre s'approche. A utilisé l'impératif. Il a utilisé la forme d'un ordre. Donc, pour ceci. La ordre. Tu ne vas pas t'en excuser, c'est un homme. Dormez. Boulala. Après, levez-vous. Bottez les mains. En réalité, tout à l'heure, dans mon solo, il montrait. Il y a un service et Koukaki. Koko qui santé, ma kamboya la consigne. Il y a un service qui ne parvenait pas à accomplir sa volonté. Mais à mettre la bouche. Alors il a mis fin à ce service-là. Mais c'est le même service. La cicatrice pour Salomon. Et mon dit ma prophétie. A caché des prophéties. Pour lier à Omino Salomon Salomon. Que lui doit accomplir dans son œuvre. Yango, levez-vous. Yango, ne montez les mains sous. Donc, côté les mains et qu'on soutenir. Donc, c'est lever va le soutenir dans son œuvre. Et ça, donc, la loi, les psaumes et les prophètes, ils ont soutenu l'œuvre à Christ. Donc, on a bombé, qu'on a dit, mon père va s'abonner, ils ont soutenu dans mon salon à Christ. Montez les mains. Mais le fait que. Sacerdoce et qu'on qui coupait sa solution. Mais le fait que les sacerdoces étaient incapables de donner la solution. Il y a mon époux là, les cils. Amen. Il avait employé des verbes contradictoires au même moment. C'est pourquoi nous disons ceci. Il avait craché sur la terre. C'est la maison des chaussées. Pour montrer que Zalinda quoi moto malheureux dit ça. Mais en utilisant mon podcast, sa solution. Mais il va utiliser cette même terre pour donner la solution. Donc,
La loi où est appelée la loi qu'il avait donnée et prendre fin et sous qui mais la loi n'a qu'à tirer un mais la loi en elle et ça n'a pas bien sa venir et ça n'a pas besoin Seigneur il y a na souka donc possède les biens à venir donc et ça n'a pas besoin et bombi besoin la loi renferme tous ces biens à venir donc il y a un autre taxi pour lui c'est pourquoi on a montré ceci lorsqu'ils sont entrés dans la terre. Le verset 11 dit la manne a cessé. Manne est si la carte. Manne a cessé, c'est les provisions. La manne qui avait cessé, c'était la provision qu'ils avaient faite. Et lorsque la manne a cessé, en ces temps-là déjà, l'arche était. D'après Exode 16, pour la mise Exode 16, il y avait une manne qu'on avait cachée dans l'arche. Manne, c'est ça. La manne, c'est ça. Il y a la manne qui est présente. Mais il y a la manne conservée présente dans l'arche. Mais maintenant, parce qu'il y a blé du pays. Parce qu'il y a blé du pays. Lorsqu'ils mangeaient les blés du pays du Canaan, ils voyaient la manne et la promesse dans l'arche. Parce qu'il y a blé du pays. Il y a manne, c'est ça. Il y a manne ici. Mais la manne va bomber. Nous mangeons les blés. Tous les blés à boca. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a un mot à l'élo. Nous mangeons les blés. Ils sont tous les blés. Mais la manne cachée est là. Dans ces années, la manne va bomber dans son doux à bomber. La manne qui ne bouge pas. Manne à eau et pour la rater. Mais nous mangeons les blés. Dans ces tous les blés à boca. Il y a un mot église à Bergame. C'est pourquoi dans l'église, la promesse est. La promesse est que à celui qui vaincra, au père, c'est les manne cachées. On lui donnera la manne conservée. Il n'existe pas de verset de manne révélé dans la Bible. Ces versets-là n'existent pas. Tu peux avoir un bon raisonnement cohérent. Un raisonnement cohérent. Caché. Comme la loi était cachée. Les ténèbres, maintenant aujourd'hui, vous voyez, c'est cohérent. Mais, mais avec les mots et les termes à toi, ce ne sont pas les termes de Dieu, frère. L'écriture, on appelle l'écriture. J'ai tout mis par écrit des réflexions. La diagnose, on a qu'à ma copie par ma canisse. Non, mais ça n'a pas besoin de ma canisse. On n'a pas besoin de tes réflexions, frère. Par le Bible. Ce qu'on a écrit, le mot va commis, c'est déjà réfléchi. Les amis, ma canis, ils avaient déjà canis, ils ont commis, ils ont commis. Ma commis le bon. C'est comme ça qu'on t'a écrit. J'ai mis par écrit des réflexions. Nathien a commis ma canis. Maintenant, tu prends l'écrit. Tu fais des réflexions. On dit qu'il y a un mot canis, ça n'a on dit qu'il y a réflexion. Tu as laissé la réflexion de Dieu. C'est pourquoi Paul avait dit. Nous avons toujours appliqué ma cambo à nos personnes. Nous faisons de ces choses une application aux personnes. Vous appreniez à ne pas aller au-delà de ce qui était. Paul faisait un effort. Si tu suis Paul en train d'enseigner, Et tu éprouves le désir de rester dans ce qui est écrit. C'est ça la vie. Il y a il est écrit. Et comment pas dans la formule, il y a pas. Et non dans les formules humaines. Aux hommes dans la dans ce qui est écrit. Non, dans ton dit Josué 5. Donc lorsque nous prenons Josué 5, on a vu la Pâque qui célébrait. 1 Corinthiens 5, verset 7. 1 Corinthiens 5, verset 10. Christ est notre Pâque. Christ au Pascha la mission. Hier à Koufaka. Ah, c'est qu'après cette Pâque, la Pâque. Donc, la Sima Pascha, la manne, c'est ça. Donc, la manne a cessé. Maintenant, nous mangeons les blés du pays. Sima Tozoli a dit, vous voulez avoir un Jésus dans Jean 12. Jésus dans Jean 12. À partir du verset 21. À partir du verset 20. Quand ma grec va y aller. Lorsque les Grecs sont venus le chercher. Bah, il ils ont dit à Philippe, oui, c'est lui, ça t'a l'air. Ce qui me réjouit le plus, c'est parce qu'on avait appelé le Seigneur Philippe. Il y aura un jour, nous vous le verrons. Il y aura un jour, nous en parlerons. Lorsqu'ils ont croisé Philippe, dans Jean 12. Dans Jean 12. Le Seigneur, à Piccolo. Nous voulons voir Jésus. Tolini de mon aïeuse. Philippe l'a dit à André. Philippe a dit, c'est un peu André. Et tous, ils sont venus devant Jésus.
Les versets comme ça. Et tous deux, ils ont dit au même moment. Jésus. C'est tout un enseignement. Donc c'est que lorsque Jésus a entendu qu'on le cherchait, il a dit ceci. Les grains de blé. Ceux qui bouillent en vérité. S'ils ne tombent à terre et ne meurent, ces grains-là vont rester seuls. Lui-même s'est appelé le grain de blé. Pourquoi on m'a dit que pourquoi il avait dit il faut écouter. Les grains doivent mourir au préalable. Parce qu'il avait vu d'autres grains étrangers venir. Donc, il a vu d'autres enfants s'ajouter. Donc, si les étrangers en dehors d'Israël me cherchent, cela veut dire en Israël, je suis déjà mort. Parce qu'elle est venue chez les siens. Oui, quelqu'un qui va y avoir déconné le mapo. Et les siens ne l'ont point réussi. Puis pas déconné la vie. Mais à tous ceux qui l'ont réussi. Parce qu'il n'y a pas réunion sur la vie. Bon, pas rien. Lorsque c'est la vie, c'est la vie ici en Israël, il est mort. C'est ce qu'il disait là. Il y a un bon d'azé pour le banalisé, c'est le grec. Bagoulukangai. Les grecs. Blé. Mais chercheront si les grecs meurent. Là, Jésus a confirmé qu'il y a dans un blé du pays. Là, Jésus confirme que c'est lui le blé du pays de Canaan. Et cela nous dit que nous mangeons après la Pâque. Il y a bon de blé, il a mis son cime à la Pâque. Mais ce qui est, ce qui sera. Oui, ça l'a gagné et ça l'a gagné. Quand il mangeait le blé du pays, quand on va lire qui blé en boca, la manne cachée était là. Il y avait la manne cachée dans l'arche. Mais c'est la manne de la promesse. Ça, c'est la manne de la carte. Cette manne-là, on ne la mange pas. Les manne à témoignage. C'est la manne du témoignage, c'est ce qu'il mangeait, c'est le blé. Oh, bah, ça l'est connu, ça. C'est la manne, là. Parce que ça l'est qui n'a manne, là, ouais, dans sa vie. C'est seulement dans les églises. Il y a bon mémo qu'on a mis à ce temps. Dans l'église de Perga. Toutes ces églises, elles ont un temps de grâce. Toutes les églises vivent la grâce de Dieu. Nous mangeons la grâce. Nous sommes yangolou. La parole, la grâce, c'est le blé. Oui, ça l'est, il y a yangolou. Mais la promesse de la manne. Parce que ça l'est, il y a manne, on va bomber la sang. Comme la manne, c'est comme les grains à coriandre. Comme la manne est semblable à de la graine de coriandre. Les grains incomparables à un corps. Nous mamako kanisakamona nzoto. Nous mangeons du blé, nous avons du blé, mais nous avons la promesse d'un corps. Vous savez, la terre, nous avons tout le monde qu'on a souka. Comme incorruptible. Zoto est même samakate. Parce que la manne là ne pouvait jamais pourrir. Oui, tes manne on est coca qui commet samakate. Azolia blé. La manne est présente. Parce que ça dit la manne à Wana. C'est pourquoi Paul a l'homme qui n'a pas connu ça. C'est pourquoi Paul a venu dans les Corinthiens. Alors même si c'est tenté de quitter. Attaque et Mao et tous les cofans de nous. Nous avons un édifice. Nous avons une table pour amener les coups dans la masse. Cet édifice là, c'est la manne cachée. D'accord, la manne est des manne et bombardé. Tant que nous marchons, mais tant que nous allons marchons, nous allons un édifice. Ça, c'est Zalina, n'a pas amené les bombes. Un édifice qui est éternel. On les a dit, c'est qu'on a fait. C'est là. Et Zaliwana, mon livre. Et nous mangeons les blés. Car si nous allons appeler à mon cacana. Il n'y a pas de version, on a mangé cette manne, frère. Non. Ça parlait des corps de gloire au chocolat après notre course. Ça parlait du corps de gloire qu'on portera après la course de l'église. Et c'est ça. Il y a un côté. Moi, je me disais, il y a un man caché. Man, moi, bon, pas man attaché. Et bon, bah, oui, ça veut dire bon, bah, oui, bon, bah, oui. Montant le Sinaï, la montagne de Sinaï. Oh, il disait, bah, mon âme a réflexion à you. Tu vas utiliser tes propres mots et réflexions. Mais tu n'as pas utilisé la réflexion des églises. Pour s'animer, ma calice, ma commis. Que Dieu bénisse. Il n'y a pas pour nous. Que la paix du Seigneur est en aïe. Et la paix du Seigneur soit en aïe. Chacun aussi, caillou blanc. On avait aussi touché l'ibarre à mon cœur à Pembe. Caillou blanc, en réalité, tout a été libéré. En réalité, on avait montré ceci. La pierre, l'ibarre. Dans Daniel, dans le livre de Daniel, Botany Daniel 2, en lisant Daniel chapitre 2, à partir du verset 44, à partir du verset 44, jusqu'à 45, jusqu'à 45,
Daniel a expliqué maintenant la pierre qui détachait sans des secondes. Okay. Daniel a écouté sa libanda et qui dit mon tôté à Simba en robot. Cette pierre-là, c'est le royaume qui ne passera jamais. Mais le recevez dans un royaume inébranlable. Dans un autre langage, beaucoup de Dieu kate. Mais voyez pas que, mais tu dois savoir bien. Les royaumes dans les équités saintes. Bokondi, tout babi kondi na kata makoni. Ils ont un royaume des fils. Bokondi ça la tabe à moi na nzambe. Tout moni na nzamba créé. On a vu d'abord lorsqu'il a créé tout Dieu. Il a fait tout. À sa union ça. Mais na sali l'homme à son image. À sa lipe moto na elili na. L'image ses fils. Et l'ilingi a monté sa vie moi-même. Maintenant, il lui a donné le pouvoir et la domination. C'est ça le royaume. Il y a monné le compte. Donc, c'est le royaume des fils. Pour compte, il y a moi-même. Adam n'a pas obéi. Adam a tout sa tête. A désobéi. Il avait désobéi. Le Seigneur a fermé les jardins de tête. Qu'on doit calmer la même. Comme a fermé son pouvoir. Le gars a calculé pour continuer. Mais Dieu est là qui aïa aux hommes dans notre royaume. Mais il fallait que le Seigneur vienne remettre le royaume à l'homme. Mais comme Dieu avait sa loi que il aime toujours les premiers. Mais comme le Seigneur avait donné la loi qu'il n'agrée que le premier. Il a que nos prémices. Il n'agrée que les prémices qui l'ont croyant. Or n'a mon kitania bato. Or dans la descendance des hommes, il y a Yahweh et Adam. Donc le premier né c'était Adam le premier. C'est là venu nous tous qui sommes venus après, il n'y avait pas moyen que nous soyons agréés de Dieu. Il y a mon prophétie, le bagan à Romain, trois temps les autres prophéties. C'est pourquoi la prophétie des Romains, des psaumes qui est reprise dans Romains 3, nul ne cherche Dieu. Monte mon côté à l'Ukakanzambe. Personne ne dit connaît le Seigneur. Monte mon côté à l'Ukakaye Banzambe. Vous en avez mal. Amen. On avait parlé de ce qu'il n'y a aucun juste. Là, c'est par rapport à les premiers qui étaient déjà tombés. Et on a considéré qu'aucun juste. Et on a considéré qu'il n'y avait plus de juste sur terre. Parce que le chemin de l'arbre était fermé. Oui, Tenzela et la main de Nikandamaki. Mais là, comme il n'y avait personne, le coup là qu'on doit s'arrêter. Dieu s'est senti obligé. Nous avons mis mon place Adam. Il puisse prendre la place d'Adam, le fils. Donc, à comment fils. Donc, il devient aussi fils. Dieu a travaillé avec la tribu à fils. Nous avons mis mon salamé na katia moi. Azalaka fils de l'homme. Le Seigneur est le fils de l'homme. Par rapport à Jean 5, verset 27. Par rapport à Jean 5, verset 27. Fils de l'homme, c'est le juge. Moi, dans mon Dieu, j'ai mis mon sang ici. Tel qu'il était venu juger le péché, il fallait être le fils de l'homme. Il devait être le fils de l'homme. Même dans l'église. À terre et l'église. Il juge le péché. Afin que nous soyons parfaits et entrés dans l'éternité. C'est pourquoi il est aussi fils de l'homme à l'église. Il a voté Père Azali, moi, dans mon tour d'église. Il est aussi fils de Dieu. Azali, Père, moi, dans Nzambe. Ce qu'on a dit Romains 1, verset 4. En lisant Romains 1, verset 4. Mon nom est Yahwa. Donc le vainqueur de la mort, il est fils d'Abraham. Asali moi na bala. Soit dans Galates 3 verset 16. En lisant Galates 3 verset 16. Oya soit héritage. Celui qui reçoit l'héritage. Il est fils de David. Asali moi na bala. Soit dans Luc 1 verset 32. En prenant Luc 1 verset 32. Héritier du trône. Asali mon sang coliambwe de Abukon. Il a travaillé avec fils. Il est devenu fils pour recevoir l'héritage du Père. Pour le fils premier à quoi? Parce que le fils premier était déjà tombé. Il fallait qu'il puisse le remplacer. Il y a un Hébreu 7 et l'Obaka. C'est pourquoi Hébreu 7 est le qui s'aidait. Même qui s'aidait quoi? Roi de Salem. Mon condi à Boka Salem. C'est-à-dire roi de Père. Mon condi à Kinia. Et à Zala qui est roi de justice. À Zala qui est mon condi à Kinia. Il y a un qui est sans père, sans mère. Oui, à Zala Tata, c'est vrai. Sans généalogie. Mais qui t'a mis à l'hypothé à Bato? Comme semblable au fils. Il est devenu semblable au fils de Dieu. Fils soit c'est Adam. Le fils soit Adam. Adam premier. Adam Nikoso.
Mais il est devenu semblable au Fils de Dieu. Pourquoi cela? Parce qu'il n'y avait personne à léguer l'héritage de Dieu. C'est pourquoi on a dit Colossiens 1. C'est pourquoi en lisant Colossiens 1, la verset 13e, la 14e, au verset 13 et 14, j'ai mis ça au nom de Jésus-Christ. Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1. Le verset 13 et 14. Le verset 13 et 14. La manière la 12. Le verset 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Rendez grâce au Père. Botonda tata. Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière? Qui nous a délivré de la puissance des ténèbres? Et nous a transporté dans les royaumes du Fils. Et son amour. Voilà. Les royaumes du Fils. Mais Jésus dans Luc 7. Il a dit qu'ils allaient vous voir dans le désert. Un homme bien habillé. Ceux qui ont des vêtements précieux sont dans les maisons de vous. Qu'est-ce que vous allez voir dans le désert? Un prophète. On s'appelait. Plus qu'un prophète. Est-ce qu'il nous allait qui attend pour s'appeler? Parmi ceux qui sont les défunts. Il n'y a jamais parlé. Le plus grand comme Jean. Et mon anaté de l'imaté, colo, to, ou à l'équipe, ou à l'imbat. Wana Jésus a séparé que combien de Jean Moïse. Là, il avait pris à Jésus d'appeler Jean Moïse. Parce que mon tout le monde était là pour parler d'un prophète, mon bon Moïse. Parce qu'il n'y avait pas eu aucun prophète semblable à Moïse. Maintenant, Jésus a eu Moïse. Maintenant, Jésus-Christ a pris Moïse. Jean. Il a fait porter la personne de Jean. Bon ami. Pourquoi? Pour confirmer Exode 29, verset 4. Pour confirmer Exode 29, verset 4. Moïse l'a secoué à Aaron. C'est Moïse qui avait lavé Aaron. Jean-Baptiste l'a secoué à Jésus. Et c'est Jean-Baptiste qui avait lavé Jésus. Lorsqu'ils étaient dans le Jourdain, Jean-Baptiste a Moïse. Jean-Baptiste représente Moïse. Jésus a Aaron. Et Jésus, c'est Aaron. Il y a monde, Jésus a séparé côté cette place. C'est pourquoi il avait pu à Jésus de lui donner cette place. Parmi les prophètes. Il n'y a pas eu aucun prophète semblable à Jésus. Il n'y a pas de Kamaloué. C'est bien Christ et Jésus et Moïse. C'est bien Christ et Jésus et Moïse. Mais Jean aussi est Moïse. Mais Jean aussi est Moïse. Qui Dieu bénisse. Jean et Moïse. Jean Pierre Zanimos. Lorsqu'il consacrait Christ dans les époques. Moïse a consacré Aaron. De la même manière, Moïse avait consacré Aaron. Mais ils ont continué. Mais ils continuent. Jésus a dit ceci. Jésus dit ceci. Verset 26, il y a Luc 7. Le verset 26 de Luc 7. Tiens, verset 29. Jusqu'au verset 29. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Ah. Qu'êtes-vous donc allé voir? Au Kendaki, côté la nuit. Un prophète. Moussa Poli. Oui, vous dis-je. Il est plus qu'un prophète. Oui, avec un temps, c'est celui dont il est écrit. Les amis, moi aussi, j'envoie mon messager. Devant ta face. Pour préparer ton chemin devant toi. Je vous l'ai dit. Parmi ceux qui sont les prophètes. Il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, les plus petits dans les royaumes de Dieu. Lorsque tu remportes la le Seigneur a fait son corps de gloire qui est mal caché a continué dans son royaume et il te fait entrer dans son royaume les cailloux blancs en qui est les cailloux blancs et par la grâce de Dieu le vendredi pour le nom que personne ne connaît nous aurons parlé du nom comment on te tait à
Tant qu'on mise à blanc, c'est la justice. Lorsque nous parlons du caillou blanc, c'est un caillou de justice. Les royaumes de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. Que Dieu bénisse. Amen. Et que la grâce du Seigneur est dans les colonnes à mon corps. Et que la grâce du Seigneur soit aussi au milieu de chacun. Mais à ça, il y a un bon ami. Et que le Seigneur ne peut pas se dire. Colo, apôtre, c'est la campagne pour la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Et que le Seigneur t'accomplisse des exploits pour la gloire de Jésus-Christ. Et qu'il te bénisse abondamment. Vraiment, tout ça n'a été gopé ma casse. Vraiment, nous avons une forte joie. Toi, Mbiba, ministre de Dieu. On a reçu le ministre de Dieu. Koutaboumba. En provenance de Koumba. C'est vraiment une grande joie lorsqu'on rend visite à votre maison. Je pense que tu es très joyeux. Nous avons reçu le serviteur de Dieu. Ceux-là qui sont appelés à porter l'arche de Dieu. Afin d'annoncer la parole de Dieu. Ils ont l'âge parce que ils sont parmi ceux-là qui pèsent le troupeau de Dieu. Et chacun d'eux va monter pour vous saluer au nom de Jésus-Christ. Et Dieu bénisse. Ça ne vient pas pour la vie. Je suis venu à la Bible, 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 à